Hey Joseph, réveille-toi, on lève le camp. Ouais, ok, j'arrive. T'es sûr que ça va? Ouais. T'en fais pas, j'arrive. Ok. Je me lève. Tu veux un coup de main? Ouais, je veux bien. Ça va mieux? Ouais. Ça fait du bien d'être entouré par plein de gens. J'imagine que t'es pas trop en solitaire pour dire ça? Pas trop, non. Quand on n'a pas le choix. Tu es seul, hein? Non. Pas vraiment. Que c'est encore habité. Si tu veux qu'il y ait, on aurait totalement perdu. Dans tous les cas, on va fouiller cette baraque. Par contre, faites très attention et restez silencieux. J'ai pas envie d'avoir de la compagnie. C'est bon, maman, je suis morte. Elle est où, Anya? Je sais pas, elle était derrière nous. On doit être à la traîne. Va la chercher. Ok. Sérieusement, ça te fait pas chier de piller une maison comme ça? J'aimais vraiment été quelqu'un de bien élevé, alors tu sais. Non mais je suis d'accord, mais t'imagines, tu rentres chez toi, on t'a piqué ta bouffe, tes médocs. Écoute, dans les circonstances où on vit aujourd'hui, c'est vraiment mon problème. Tu me diras, les choses ont changé. Peut-être que je me pose trop de questions. Ouais, ça c'est sûr. Je suis pas le seul à penser d'ailleurs. Ouais, je vais fouiller l'autre pièce. Que ça pourra nous être utile. Merci, Sam. T'as raison. On en aura besoin. On va s'installer ici pour la nuit, en se faisant silencieux. S'installer ici? Mais après ce qu'ils ont fait à Emma? Mais c'est trop dangereux. Écoute, avec le bruit des balles, d'autres seraient déjà nus, tu crois pas? On va barricader cet endroit et se reposer ici pour la nuit. On peut pas se permettre de dormir dehors. Il a raison. J'ai peut-être pas mon mot à dire, mais il a raison. On s'est déjà fait attaquer une fois et on a réussi à les repousser. Mais donc, s'il y en a qui se cachent encore à l'intérieur. Arrête, Nathalie! Tu préfères être dehors sous une tente et te faire éventrer, toi et ta fille, ou être en sécurité à l'intérieur? Bon, si vous le voulez bien, on va barricader cette foutue maison. Anya! Anya!
Putain, qu'est-ce que tu fous? Il faut pas t'éloigner comme ça. Mais je crois que j'ai vu quelqu'un, je sais pas. Où ça? Là-bas. Bah non, laisse, on s'en fout. Tiens, mais... on y va. Toi. Allez, debout maintenant. Sinon, je vous envoie les gorilles. Allez, levez-vous tout seul. Non. Allez, on se lève. Non. Ah. Tu sais ce qui m'étonne? C'est depuis qu'on s'est rencontrés, toi et moi, j'ai toujours pas trouvé la foutue raison qui m'oblige à faire ça. Alors ça peut paraître horrible, mais c'est comme une sorte d'exaltation. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que tu cries pas. Alors certes, je suis impressionné, mais je considère ça comme un vrai manque de respect. Grégory, excuse-moi de te déranger, mais j'ai repéré les deux du groupe qu'on suit depuis quelques jours. Anna et Paul, je crois. Ils sont à 5 minutes d'ici. Là, alors on va les accueillir. Je suis là. Lisa. Lisa. Je suis là. Bouge pas. On va partir. Viens, mon visé. Je devrais partir. Je partirai pas sans toi. Ferme-la, on partira ensemble. Il est où? Comment il a fait pour s'échapper? C'est impossible, vu son état? J'y crois pas. Il a pas pu faire ça tout seul. Il devait être deux, non? Bon, c'est pas grave, relativisant. Pas que ça à faire. On a de nouveaux arrivants à accueillir, n'est-ce pas, Nicolas? Oui.
Ok, alors on va dire aux autres qu'ils préparent notre petit comité d'accueil. On va se détendre un peu.